Dans cette vidéo, vous verrez comment modifier la mise en page dans Google Meet avec les nouveautés de l'automne 2020. Par défaut, Google Meet affiche 9 participants maximum et met à l'avant le contenu des participants qui sont le plus actifs. Il est possible de s'afficher aussi à l'écran parmi les participants, en haut à droite dans l'image de notre caméra, en cliquant sur la tuile. On peut aussi se retirer de l'image en réappuyant sur la tuile en haut à droite. Lorsque vous épinglez un participant, son image s'affichera en plein écran. En passant par les 3 petits points en bas à droite, vous pouvez modifier la mise en page. La mise en page mosaïque affiche par défaut 16 participants, mais vous pourriez ajuster en bas dans la petite fenêtre la mise en page jusqu'à 49 participants, mais ce nombre peut varier en fonction de la taille de votre écran. La mise en page projecteur permet d'afficher le participant qui parle ou l'écran qui est partagé en plein écran. La mise en page barre latérale permet d'afficher en grand le participant qui parle ou l'écran partagé, mais d'avoir tout de même en petite icône à droite des miniatures des autres participants. Il ne vous reste plus qu'à adapter la mise en page de vos prochaines réunions selon vos besoins.